Chers élèves, aujourd'hui, on va voir une leçon de langue intitulée « Les homonymes ». Alors, tout d'abord, on va voir une définition, puis on va voir les types des homonymes, ensuite quelques exercices interactifs sous forme de vidéo, enfin des exercices d'appropriation. Alors, définition. C'est quoi les homonymes? Ce sont des mots qui ont la même prononciation. Ils se prononcent de la même manière. Homophone, ça veut dire même prononciation. Exemple, verbe qui signifie direction, vert qui signifie couleur, vert qui signifie un récipient et vert qui veut dire un être vivant. Alors, il existe deux types d'homophones, les homophones grammaticaux, comme la préposition « à » et l'auxiliaire « avoir à », qui sont différenciés par l'accent. Alors, ensuite, vous avez les homonymes, les homophones, pardon, lexicaux, comme compte, compte, compte. Ces trois mots se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même manière. Compte, un compte, ce qu'on fait dans la banque, un compte, un titre de noblesse, et un compte, une histoire. Alors maintenant, nous avons un exercice interactif. Alors ici, nous allons essayer de compléter les phrases en utilisant quel, ou leur. Alors n'importe quel, tâche avec deux L. Ensuite, il est moins grand qu'elle. Je n'aime pas la femme hautaine qu'elle est devenue. Et à quelle personne dois-je m'adresser pour obtenir ces renseignements? Ensuite, avec leur, Pierre et Michel ont dû présenter leur papier, leur avec S. Je leur ai dit de te rappeler. Leur sans S. Alors, phrase suivante. Mes arbres fruitiers ont perdu toutes leurs feuilles. Leur avec S, bien sûr, qui s'accorde avec feuilles. Dernière phrase. Je ne rends pas visite à mes amis très souvent, mais je leur écris régulièrement. Alors, deuxième exercice interactif, on va voir quelques homophones lexicaux comme foi, soi. Au restaurant,
Il commande toujours 10 fois de vous. Fois. Sans S. Ni E. Fois avec E à la fin. Ouais. Alors, à son retour de la guerre, il avait perdu la fois avec S ou sans S. Sans retour de la guerre, il avait perdu. La foi. En 10 ans, elle s'est mariée 3 fois. Il critiquait tout, sa mauvaise foi sautait aux yeux. Alors ensuite, avec soi, une telle situation exige une immense confiance en soi. Là, ce divan vaut 2 000 $, soit environ 1 200 €. Elle était arrivée habillée de soi, de la tête aux pieds. Il va de soi qu'il faut donner un pourboire au guide. Alors, très bien. Ensuite, un autre exercice avec cette fois-ci les homophones grammaticaux. Alors, ce dessert, c'est un vrai régal. Le présentatif, c'est Marcel a beaucoup de talent et toiles sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Alors, c'est le possessif, ces toiles sont magnifiques. En vérité, c'est le meilleur roman que j'ai lu. Karl s'est engagé à rédiger un rapport. S'est engagé à rédiger un rapport. Et la plus souvent, ces derniers mois, le démonstratif, Maud s'est rappelé qu'elle devait aller chez le dentiste. Alors c'est, voilà. Voici notre modèle GS. Je crois que ses caractéristiques, la possessif, ces caractéristiques vous épateront. Voici nos promotions pour le modèle GS. Prenez note que ces offres prennent fin le 30 avril. Ici, vous avez les homophones grammaticaux. C'est, qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Alors, enfin, nous avons un exercice. Vous allez essayer de réfléchir à ces homophones. Alors, exercice d'appropriation. Complète les phrases par peu. Là, ici, vous avez peu et peu, le verbe pouvoir conjugué au présent, et peu qui signifie la quantité. Alors, première phrase, elle a fait très peu d'efforts pour tout ce résultat. Alors, est-ce qu'on doit mettre peu ou peu? On va voir. Voilà, peu d'efforts qui signifie la quantité. Je peux courir à 10 km à l'heure. Là, ici, on doit mettre
Peu, je peux, le verbe pouvoir, hein, je peux avec X à la fin. Un peu de sport tous les jours peut t'aider à garder une bonne santé. Et ici, vous avez un peu qui signifie la quantité. Sport tous les jours, hein, peut t'aider, vers pouvoir avec t à la fin. Ensuite, complète les phrases par son. We did. We did a perdu son stylo. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? Son ou son? Son stylo, dans le possessif. Elle est tombée, elle a perdu beaucoup de sang. Est-ce qu'on doit mettre sang ou sang? Réfléchissez bien. Voilà, elle est tombée, elle a perdu beaucoup de sang. Ahmed a acheté son livre à 100 dirhams environ. Alors, 100, l'argent, 100 dirhams environ. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette leçon vous sera utile.